comme c'est la première fois, la première mission ici, mercredi c'est quelle heure? 18h, ok. Je ne sais pas si durant ce moment-ci, à moins que vous le dites la prochaine séance, puisque les gens ne travaillent pas, il n'y a pas grand-chose à faire, pas vrai? Si les prochaines fois, vous pouvez ramener ça à 17h, pour que les gens viennent tôt, pour qu'on finisse également tôt. Il dit durant ce moment de détresse de cette maladie, cette pandémie-ci. C'est-à-dire que vous ramenez à 17h, puisque les gens sont à la maison, ils ne font rien naturellement. Si les gens peuvent venir, pour ceux qui ne travaillent pas, que les gens puissent venir. Sachant que même à 17h, si vous commencez, les gens vont venir à 18h normalement, c'est une heure seulement de retard. Vous me suivez? Donc, je propose donc maintenant, apparemment il n'y a pas des hommes, je vais dire quelque chose que vous allez relayer. Ne faites plus ça. Je vais dire quelque chose que vous allez relayer plus tard, les conducteurs, vous essayez, veillez à cela. Vous trouvez le seau, vous savez, le seau de robinet pour laver les mains. Vous me suivez? Pour laver les mains et les choses pour qu'on... Je ne vous souhaite pas le corona. Je ne vous souhaite pas cela. Vous me suivez? Permettez-moi de prier pour vous, d'accord? Tant de Père, je prie pour chacune des personnes dans cette maison. Je prie au Dieu de gloire pour chacune des personnes au Père de gloire assis dans cette présence maintenant, alors qu'ils ont écouté ce témoignage, sans exception. Et pour ceux qui nous écoutent au Père, je prie au Dieu de gloire que tu visites quelqu'un, que tu sois une barrière de protection comme tu l'as été pour moi. Mais Seigneur, que ça ne les touche pas avant que tu les protèges. Père, en tout leur devant et pas derrière. Que leur nez, leur bouche soit protégée par cette muraille invisible au nom de Jésus. Afin qu'aucune contamination ne soit leur partie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, parce que nous sommes assis, il y a des gens qui vont venir nouvellement. Ils écoutent ensemble, vous ne savez pas qui vient. En venant, ils prennent des motos. D'autres prennent des taxis. Vous ne savez pas, quelqu'un peut être en train de le taxi, il fait fou. Il met sur la porte exprès. Quelqu'un en sortant aussi prend. Après, il vient ici, tiens, à côté de toi. Et c'est, voilà ça qui part comme ça. Donc, je propose donc que vous mettiez, s'il le faut, de l'eau ici pour laver les mains. Ou bien un truc pour laver les mains, qu'on le fait. Achetez cela. D'accord? Ces choses, les robinets qu'on veut, les dispositifs qu'on achète pour mettre les mains. Et l'une des sœurs, ou bien Madame Edith, va veiller à cela là-bas. Quand quelqu'un entre, vous veillez à cela, le conducteur. Quand quelqu'un entre, que ce soit n'importe qui, il lave ses mains là-bas avec le gel. Donc, vérifiez donc que ceci soit fait et que le 1er juin, avant le 1er juin, qu'on ait ça ici. Lorsqu'on se rassemble, qui est cela? Ça, c'est un. J'espère que vous en avez noté, n'est-ce pas? Vous allez comprendre cela. Donc, il faut qu'il y ait un dispositif pour laver les mains. C'est même bien pour vous. On est venu seulement nous rappeler les bonnes méthodes. Quand tu quittes de loin, quand tu vas venir, par exemple, quand on dit salut ton frère, quand tu as salué, tu salues une personne, deux personnes, vous voyez des choses que vous partagez. Si vous avez une contamination, vous donnez aux autres. Mais normalement, ça ne nous concerne pas. Je voulais dire qu'on fait ces choses-ci pour faire la barrière telle que la législation le dise. Pour que même si quelqu'un qui est de la législation vient ici, voit qu'il y a ce dispositif-là. Quand ça va finir, on va passer à un autre niveau. Donc, il faut un dispositif de lavage des mains ici. Et ce gel-là pour laver les mains. Quand vous entrez, lavez les mains. Vous savez, quand tout le monde lave les mains, quand vous asseyez là-bas, vous saluez vos frères. Personne n'a rien à craindre. La deuxième chose, c'est que chacun de vous ait son masque. Que chacun de vous ait son masque. Les conducteurs, réitérez ça ici chaque fois jusqu'à ce que quelqu'un ait le masque. Si les gens n'ont pas de masque, ils rentrent chez eux. Et si vous avez quelqu'un de bienfaisant, vous achetez même des masques, vous mettez ici. Si quelqu'un n'a pas de masque, vous lui donnez un masque. Et quand vous donnez un masque, dites aux gens qui n'ont pas de masque de s'en procurer avant de venir. D'accord? Vous m'avez suivi, frère? Si vous goûtez ce que j'ai goûté, vous allez intercéder chaque jour pour les malades qui sont à l'hôpital. Bon, maintenant, je crois que le frère va transmettre le mercredi pour ce qui concerne le sol, si, par rapport aux gens, les garçons là. Je remercie les femmes qui ont répondu promptement et qui continuent à répondre par rapport à notre maman ici. Vous savez ce qu'on avait dit lors de son anniversaire ici. Vous savez ça, n'est-ce pas? Merci donc pour celles qui ont fait et celles qui vont continuer de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Autre chose maintenant, écoutez bien les conducteurs. Je crois que je vais parler sur ça si le Seigneur le permet. Chaque fois, désormais, quand vous allez vous réunir ici, quand vous allez vous réunir, et même dans vos prières en aparté, avant de faire n'importe quoi, priez pour le Cameroun. Je vais vous dire pour le Cameroun, là, si le Seigneur permet qu'il donne quelques éléments. Pour le Cameroun, priez pour Israël et son gouvernement. Parce que ce qui est arrivé à l'église, là,
Non seulement l'ennemi travaille contre l'Église, mais la cible maintenant c'est Israël, parce que bientôt ça sera chaud là-bas chez eux également. Donc pour Israël et son gouvernement, pour les États-Unis et son président. Au Maroc, vous souvenez, au Maroc, j'ai parlé d'une prophétie là-bas que je l'ai vue en 2020, vous souvenez, n'est-ce pas, être président. Donc réélu encore. Vous avez suivi ça, vous avez au moins suivi ça. Hein? Et quand il dit ça, l'autre frère me dit, on a le droit de dire qu'on va l'empêcher, qu'il a fait des choses qui ne vont pas. Il dit, même s'il a fait des choses qui ne vont pas, il va rester là-bas. C'est ainsi dit le Seigneur. Comme l'impeachment est passé et il n'est pas sorti, c'est ainsi dit le Saint-Esprit, il sera de nouveau président. Mais cette nouvelle vague de présidence des États-Unis, ce sera la puissance des ténèbres contre la puissance de la lumière. Parce que je l'ai vu être baptisé du Saint-Esprit et sa femme pas. Et il y avait l'attaque. Donc il aura de l'attaque. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour lui. Par rapport, c'est, la prophétie, si elle est liée, ce que je suis en train de dire là maintenant, est liée à ce que j'avais dit ici plus tôt, et quoi, en 2016, que ceux qui sont aux États-Unis, vous avez des gens qui sont aux États-Unis, dites-leur que soit ils soient des bons chrétiens, ou bien ils quittent les États-Unis. Donc nous avons 4 ans pour cela. Ça veut dire que ce monsieur-ci, d'ici novembre, décembre, il sera encore élu président. Il n'est pas Donald Trump. Quand sera élu président, donc il a 4 ans pour la fonction. Quand il va finir cette fonction, les 4 ans là, ça sera terminé pour lui. Quand il fait ça, la personne qui vient par la suite, ça sera chaud pour les chrétiens des États-Unis. Donc si vous avez des frères là-bas, les soeurs, dites-leur, c'est le moment de se préparer. Le coronavirus, il a dit que stoppez-vous à la maison, préparez-vous, c'est le temps de se repentir et de se préparer. Donc après là, donc c'est ce qu'il vient de dire depuis 2016, que ceux qui sont en Amérique, faites attention, le moment est en train d'arriver là maintenant. Parce qu'il y a une vague des puissances qui va déverser sur les États-Unis également. Ça va balayer les États-Unis. Je vous ai dit que les gens qui vont frapper, même l'eau va entrer dans le truc là-bas. Donc d'ici, nous sommes en 2020. Bon, c'est dit maintenant la date lointaine, vous allez dire donc, le soleil n'est pas venu en 2023, 2025, 2026, donc mieux que rien, c'est pas. Bon, donc mieux, je ne donne pas cette chronologie-ci là. Pour qu'on se prépare dans l'attente de la venue du Seigneur. Parce que j'ai dit le nombre d'années là-bas. Et vous allez me dire que non, ça veut dire qu'au moins, ça veut dire que comme il a dit 2026, donc le Seigneur est après, au moins après ça, donc j'ai le temps. Préparons-nous comme si le Seigneur viendrait là. Vous me suivez? Donc il faut qu'on prie, j'ai dit pour le Cameroun, je vais revenir pour le Cameroun maintenant, pour Israël et son gouvernement, parce que la cible après l'Église, par rapport au Seigneur d'Apocalypse chapitre 12, il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité, la persécution sur Israël. Et donc, beaucoup de choses vont se passer là-bas, beaucoup de tractations au point où les nations vont s'impliquer, la Coupe pénale vont s'impliquer pour pouvoir créer des colons à Israël, avec des attentats qui vont encore être récrudescents là-bas. Mais les anges sont sur le terrain de travail, comme ils sont également dans les nations, ils sont en train de travailler. Et il y a aussi le pays, le Kenya. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le pays, le Kenya. Et les deux pays ici, la Corée du Nord et la Corée du Sud, et puis l'Iran. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous savez, vous connaissez ce qui se passe là-bas. Dans une autre prophétie, j'avais dit, j'ai vu un truc frapper dans l'eau comme la bombe. Boum, l'eau est montée comme ça. Et il dit, tension dans les zones internationales, dans les eaux internationales. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est là que vous écoutez cet enseignement, vous me dites où ça se trouve. Parce qu'il faut qu'on prenne les prophéties pour que les gens suivent de quoi il est question. Je vais parler des tensions, quelque chose, un conflit qui va naître parce que quelqu'un a bombardé, traversé les eaux qui lui appartiennent. Donc on va prier pour vous. Je dis chaque fois quand vous voulez prier désormais, quand vous êtes ici, vous rassemblez, priez pour cette nation-ci, particulièrement la Corée du Nord et la Corée du Sud, parce que le Seigneur va amener ces deux pays normalement comme le Congo. Mais Dieu veut appeler la réconciliation à cette nation-là. C'est-à-dire que les présidents, qui ne s'assoient pas, qui ne parlent pas, qui se regardent en chien défaillance, vont s'asseoir comme ça pour parler. C'est-à-dire, Dieu va changer le gouvernement qui est de l'autre côté. Changer le gouvernement qui est de ce côté-ci. Et les nouvelles personnes vont monter maintenant qui ont le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui vont maintenant regarder les autres maintenant comme les parles, comme les ennemis, mais comme des personnes à qui on peut parler. Donc la Corée du Nord et la Corée du Sud vont venir sur les tables des réconciliations. Les deux Corées. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le Kenya. Parce que l'un des grands mouvements concernant le réveil doit se passer là-bas. Il y a une grande étoile qui s'élève là-bas, du côté du Kenya, et ça va parcourir dans l'Afrique de l'Est. Donc vous voyez qu'il y a le Cameroun, Israël et son gouvernement, les États-Unis et son président. Son président qui est la cible. Dans la prophétie qu'il veut donner au Maroc là, concernant Donald Trump en 2020, j'ai dit
Vous allez entendre sur les réseaux, sur la télévision, des choses qui vont sortir contre sa famille. Quand vous entendez ces choses, ce sont des flèches que depuis le ténèbre est en train de lancer. C'est-à-dire qu'on va balancer des choses sur sa famille. Balancer des choses. Et au fur et à mesure qu'on parle de ces choses-là, on l'accable. Donald Trump a fait ceci. Les mauvais présents. Il faut qu'il quitte. Toutes ces choses qu'on a dit là. Les paroles sont esprits. Ce sont les démons qui sont nous parler. Des gens se réunissent contre lui dans la sorcellerie. On dit que les blancs ne viennent pas la sorcellerie. La puissance sorcellerie, c'est là-bas. Ils se réunissent, ils font ce qu'on appelle en anglais witchcraft. Ils font les imprécations contre lui pour l'oppresser. Et par contre, quand au fur et à mesure qu'on dit ces choses, ça envoie les flèches sur lui, ça le fait qu'il prenne des mauvaises décisions. Et quand ça fait prendre les mauvaises décisions, la protection de Dieu est enlevée, la puissance de Satan entre. Voilà sa stratégie. Donc on prie que le Seigneur couvre le président américain et lui donne de faire sa volonté. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça c'est un. Et puis disperse tous ses ennemis qui se combattent contre lui dans les ténèbres. Vous voyez celui, frère? Disperse tous ses ennemis qui combattent contre lui et sa famille dans les ténèbres. Pour les deux courriers dont j'ai dit, vous allez prier comme le Seigneur vous dit, mais je vous ai dit l'essence de la chose. C'est-à-dire que il y a les présidences, les dirigeants dictatoriaux qui se trouvent là-bas vont changer. Donc, celui que vous appelez Kim Tim Tim, c'est Chom Chom Chom, c'est Cham 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 là. Le petit garçon qui dérange les gens là. Mais souvent, ce n'est pas lui, son père était comme ça, son arrière-grand-père était comme ça. Oh, là-bas, c'est une génération de dictateurs. Vous voyez cela? Ou le voit avec son pantalon comme si son tailleur était quelqu'un du deuxième siècle. Il vient là comme ça, puis. Mais ce n'est pas lui. Derrière lui, c'est tous des gens qui sont dans l'armée, qui sont des démons venus en chair. Les Vatanguer. Donc, ces conseillers sont des démons. Dieu veut balayer ces gens-là pour positionner dans les gens selon le cœur. Pourquoi? Parce que l'évangile va entrer là-bas. Ça va circuler là-bas. On va prêcher Dieu là-bas. Après, quand ça va toucher, vous allez voir ça circuler au Japon, en Chine, dans le dragon rouge. En tout cas, je suis en train de dire, que dis-je? Le réveil vient sur la terre. Amen. Mm-hmm. Donc, l'armée dont le Seigneur parlait dans le livre des Joël, vous allez le voir. C'est positionné comme ça, ils ne reculent devant rien. Le moment arrive sur la terre où il fera bon vivre, où les gens disent j'aimerais être chrétien. Le moment vient sur la terre. Oui. Le moment vient sur la terre où les gens vont regarder les chrétiens. Vous savez que ceux-là, quand je vous parlais d'eux, mesure bien, tourne ta langue cette fois. Donc ça arrive, c'est à cause de cela. Donc les gens sont des soupirés dans le ténèbre. Seigneur, envoie. Quand les Juifs ont crié au désert, ont crié chez les Égyptiens, 100 ans, 200 ans, il a répondu. Imaginez les gens qui disent, les Égyptiens vont les regarder, regardez-moi le peuple de Dieu qui sont esclaves chez nous. Regardez maintenant, où transportez chez les chrétiens, regardez les chrétiens. Elle est bonne chez moi, il prie chaque jour chez moi. Regardez, ce sont eux qui souffrent. Moi, je suis franc-maçon, je donne l'argent. Si tu veux, viens chez moi, je te donne l'argent. Cette moquerie-là va cesser sur la terre. Donc, ça fait partie d'un enseignement qu'on va voir ici. Je crois que le thème de l'enseignement doit être un riche qui s'ignore. Un riche qui s'ignore. Donc vous voyez que la moquerie qu'on a fait aux Juifs en Égypte, on fait cela au même chrétien. Et tu ne peux pas faire autrement. Regardez bien. Les Juifs, s'il te plaît, Emmanuel, va t'asseoir à côté de tes frères. Assieds-toi là-bas. Les Juifs, les Israélites sont le peuple de Dieu. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas discuter sur le peuple de Dieu. Mais comme le frère Yves disait, je ne dis pas, si son Dieu n'agit pas, il devient un peuple comme tous les autres peuples. Mais quand son Dieu se lève, toutes les divinités se taisent. Donc quand ils sont en Égypte, ils sont en train de dire, waouh, le monsieur là qui parle, dit, vous criez quoi ici là? Augmente-moi les douleurs là-bas. Ils augmentent, il n'y a pas de. Lorsque la Bible déclare que lorsque le Seigneur se lève, tous les dieux se taisent. Et quand il s'est levé, il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Donc c'est son mot. Moment. Vous entendez donc, Dieu se souvient de Sarah, Dieu se souvient de ceci. Donc c'est le moment. Sois avec elle. Je crois que c'est la dernière fois que tu viens ici comme ça. C'est son moment d'agir. Quand c'est son moment d'agir, rien ne se fait. Vous voyez comment Dieu s'est resté silencieux pendant des siècles. Remarquez dans le livre des juges comment Dieu dit, comment Gédéon dit que quand il est en train de taper le reste d'Andro, tu peux aller garder parce que sinon les gars vont venir arracher. Parce que les gars de l'autre côté, l'ennemi, hein. Il reste tranquille, où que tu veux, je dis, c'est le moment de le côté. Je suis le côté, vous avez mis le salut, oui. Mettez ça ici. Donc, je devais en consécuter, il dit que non, on tape, il t'a montré, jette les lumières de vivre. Et puis, l'ange de terre se tient là-bas, waouh, le gars, tu es trop fort ici dehors. Je devais la regarder, vous avez trop fort, hein.
Si on est confronté la force là, où est-ce que c'est les choses que Moïse racontait? On lit dans la Bible que on lit la Bible que Paul avait fait ceci, Paul avait fait ceci, Paul avait fait ceci. Où est-ce ça? Point, quelqu'un dit ça arrive. Ça arrive. Et plus que cela. Plus que ce que Paul a vécu. Non, je ne vais pas parler, c'est pas maintenant, on va encore dire. Donc, permettez que mercredi, on en parle, d'accord? Mercredi, 18h, je suis ici. Alors, 17h. Bon, mettons, il dit prochaine fois 18h, et puis vous informez les gens pour que des gens viennent à 17h pour les autres séances, parce que sinon les autres personnes ne seront pas au courant, d'accord? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Alors, lorsque le Seigneur agit avec son peuple, même si pendant longtemps on a méprisé son peuple, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant. Le fait que Dieu n'a pas agi pendant 400 ans en Israël ne veut pas dire que le peuple d'Israël n'est pas le peuple de Dieu. C'est parce qu'il souffre selon la volonté de Dieu. Parce que sa volonté avait dit dans Genèse chapitre 15 que sache que ta descendance sera esclave dans un peuple. Après 4 générations, je l'ai délivré. Donc il a son programme derrière leurs souffrances. Mais quand il dit comme ça, son peuple n'est pas au courant. C'est lui qui est au courant avec son prophète. Et puis quand ils sont de souffrir, Christ dit waouh, quel que soit le waouh que tu vas faire. Il faut que ton ne peut pas avancer le temps à 4 générations, à 4 siècles. Parce qu'après ça, 4 générations, c'est lui qui va faire. Mais tant que 4 générations, donc la souffrance est selon une époque, il y a un temps tracé pour cela. Quand c'est le moment que c'est terminé, c'est terminé. Et écoutez cela. J'entends dans le ciel, les écluses veulent s'ouvrir. Ça fait boum. Vous êtes allé là où il y a la chute, c'est-à-dire que là où il y a la chute d'eau. Vous allez à Campo là-bas. Quand, là où il y a la chute comme ça, vous entendez l'eau qui verse là. C'est un peu le son que j'entends. Ceci, quand ça va descendre, les genoux seront au sol. Que vous l'admettez ou non, vous allez vous prosterner parce que sa présence peut tuer. Le Seigneur, je t'aime. Attendez, vous remarquez que quand vous mettez pour les femmes qui font les farines, là, vous prenez la farine, ou bien la banane, ou bien que ce soit le planté, vous voulez faire frire. Vous mettez dans l'eau, ça fait chaud. Ça fait chouan subitement, là, ce qui était Dieu, mot devint Dieu. Et s'il y avait l'eau là-bas, ça fait pour combattre cette eau-là jusqu'à ce que l'eau-là qui disparaît, pas vrai? Comme on dit en patois, il va caxer le péché. Quand il vient, ça fait tzz, jusqu'à ce que tu sens que le péché n'est pas en toi. Tzz, cette vague-là passe dans toi, vous, le courant te frappe 3 fois, 4 fois. Quelqu'un ouvre sa soupe, maintenant que j'ai baptême, je suis interchepé. Je suis chéri. Tu crois que quand tu lis la Bible, tu dis que, on dit là-bas que nous sommes scellés. Comme tu lis comme ça, c'est vrai pour toi. Ça fait boum, là-bas en haut, ça fait boum. Quand ça va descendre. En tout cas, vous allez entendre dans les pays quand ça va descendre. Moi, j'entends que c'est dans tel pays, vous ne bougez pas là-bas. N'importe où, vous ne bougez pas là-bas. Donc, je vais boire dans le réveil ici au nom de Jésus. Partout là, quand ça vient partout, je suis moi là. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Si quelqu'un veut venir avec moi, vous voulez préparer, vous seulement, on part. Si ça va dans ce côté, je vais là-bas, vous ne bougez pas seulement là-bas. Mais parce que mon pays doit craindre Dieu. Dans la terre, on doit respecter les chrétiens. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? On doit respecter les chrétiens. On doit être capable que les chrétiens se tiennent quelque part. Ou si les présidents vont prendre les mauvaises décisions, on se tient comme ça, on met la main, on prie, on change leurs pensées. S'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, on dit, je vous ai dit que les professeurs qui font sur le Cameroun en donnant des paraboles, prochain président, je ne donnerai pas le cadeau. Je ne parlerai plus que l'arbre a tordu comme ça pour faire comme ça. Je vais dire ainsi dit l'esprit, je lâche parce qu'il n'y a plus de crainte. D'accord? Quand ces démons vont être chassés ici dans ce pays-ci, désormais on parle droit. On va craindre les serviteurs de Dieu ici. Comme je dis dans un enseignement, si quelqu'un tente d'approcher, frère Junior, oh, tu es sûr que ça vient de Dieu? Tu as dit, toi, je te propose, va dans le désert. Tu disparais là-bas, ça te porte. Boum, dans le désert. Il dit, marche, tu viens ici, je me pose encore la question. C'est comme ça qu'il va faire ça la prochaine fois. Que Dieu nous donne l'envie. Donc, des moments où. Vous avez déjà lu les Saintes Écritures. Vous voulez qu'on lise quelque chose avant qu'on y va? Ouvrez un peu le livre des 1 Corinthiens, là-bas. 1 Corinthiens. Vous avez déjà fermé la Bible, c'est ça? Vous êtes pressé? Chapitre 4 de 1 Corinthiens. Je vais lire, d'accord? Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention à ce que vous lisiez. Et qu'il faut que vous mesurez, que vous avez bien saisi. Je vais revenir sur ceci lorsque nous allons parler des autorités et des dirigeants. Plaise au Seigneur. Vous voyez qu'il y a tellement de sujets dans la Sainte Écriture. Mais tout ceci doit être axé sur le Saint-Esprit. Vous qui êtes dehors, veuillez écouter. Vous qui êtes dans la cuisine, veuillez écouter. Maman, tu as ouvert là, 1 Corinthiens. Chapitre 4.
je lis ceci, puis je parle du Cameroun, et puis je parle. J'ai vu deux journalistes du Cameroun devenus pasteurs. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais en train de prier dans la chambre. Je rentre, et puis je vois les journalistes en train de discuter sur le plateau de la télévision. Bon, les deux ne sont pas journalistes, mais il y a un qui est journaliste de la télévision nationale. Quand il parle de télévision, vous connaissez, non? Au moins, là, c'est clair, il n'y a pas de parabole. Cette journaliste de la télévision nationale, ses initiales de son nom, c'est A et B. Et puis, de l'autre côté, un autre encore qui est proche du journalisme, qui est dans le ministère de la communication, ses initiales, c'est C, A et M. Je les ai vu discuter sur la télévision nationale, et l'un disait que moi, je suis prédicateur, mon église n'a pas de nom. Et l'autre dit, je suis prédicateur de telle église. J'étais étonné que ceci est devenu prédicateur dont Dieu va travailler dans le journalisme. Vous vous souvenez, il était dit ici là que même ceux qui sont en prison, beaucoup vont devenir des pasteurs, non? Restons juste tranquilles et observez ce que le Seigneur va faire. Il dit que ce qu'il vient de vous dire là maintenant, j'ai vu ça tout à l'heure avant de venir ici, pendant qu'il était en train de prier. Je les ai vus. En tout cas, vous connaissez, j'ai donné les indications pour que vous sachiez de qui il est question. Donc, voyez, les gens sont de fait ici, ils me disent, waouh, ils ne connaissent pas quel est le destin de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, j'ai fait le journalisme, j'étais 40 ans dans le journalisme, tout ce que tu as fait là, c'était pour toi. Maintenant, commence pour moi. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, je vais prendre la partie verset 17 jusqu'au dernier. Écoutez très attentivement. Vous voyez que je vous dis d'ouvrir telle Bible, tel livre. Le temps que vous ouvrez, je vous donne un message. Regardez. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne dans toutes les églises. Donc, Pierre, Paul, intérieur dit, Timothée connaît ce que j'enseigne. Donc, quand il vous dit que je sache que c'est comme ça que j'enseigne, donc Timothée sait déjà comment j'enseigne et il va vous retransmettre les mêmes choses. On va revenir sur ce sujet-ci. Écoutez bien, verset 18. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Donc, il y avait déjà chez les Corinthiens pour dire, écoutez bien, pour dire, Paul c'est qui? Lui c'est qui? Il vient chez le qui? Il croit qu'il est qui? Vous savez, la révolte de Corée. Il dit qu'on va y revenir pour que vous compreniez ces choses. Il vous dit des choses avec des avertissements et des instructions. Il dit ceci, va ça dans les Saintes Écritures. Paul, l'apôtre qui a rencontré le Seigneur, à qui le Seigneur donne la commission d'aller, les gens osent le contester. Jusqu'à ce qu'il dit qu'il y a des gens qui sont enflés d'orgueil, qui disent qu'ils sont comme si je ne veux pas aller vers vous. Écoutez ce que Paul dit. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Puis il pose la question au dernier verset. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge soulignée? Ou avec amour et dans un esprit de douceur? Donc les gens s'avaient à choisir. C'est quoi la verge? La chicotte. Bon, je vous pose la question pendant que vous allez souligner. L'apôtre peut devenir fermé une chicotte qui devait chicoter les gens. Hein? Pour que quelqu'un dit, faites attention. Souvenez-vous, je vous avais dit, les prédicateurs ont des armes offensives et défensives. Donc, il dit que quand vous allez lire 2 Corinthiens, il va y revenir de ce jour, si le Seigneur permet. Il dit que l'autorité que Christ leur a donnée, c'est pour l'édification et non pour la destruction. C'est-à-dire qu'il peut utiliser ça pour la destruction, comme il peut utiliser pour le faire. Pour les uns, c'est la destruction. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 13, quand il était en train de parler, Elimas, il était en train de faire obstacle. Vous avez vu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il a utilisé. Voilà ce qu'il a utilisé. Or, cette même personne, c'est au chapitre 14, il a prêché quelqu'un, là, il voit qu'il a la foi, il dit que lève-toi sur tes pieds. Vous voyez qu'ici, c'est pour l'édification, là-bas, c'est pour la destruction. La même personne. Il pose la question aux Corinthiens, vous voulez que je vienne chez vous avec la verge ou avec amour et douceur? Donc, choisissez. Si vous dites amour et douceur, il dit, mes enfants, pour qui je pouvais encore le donner l'enfantement? Je sais que vous n'avez pas compris. Si vous dites verge, il dit, ah bon, hein? Aveugle ici. Ici, paralytique, oui. Ici, pan. Il dit que Paul. Et puis tu vas savoir de quoi il est question. Je suis en train de vouloir enseigner toutes ces choses en prélude au Saint-Esprit pour que quelqu'un ne blasphème pas. Le Saint-Esprit ne vient pas faire en nous les grands. Le Saint-Esprit vient nous rendre humbles pour que Jésus-Christ soit grand en nous. Pour que ça ne soit pas le conflit que moi je peux faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose. Donc il faut qu'on règle toutes ces choses-là avant qu'il ne soit sur la scène. D'accord? Alors donc, pour le Cameroun. J'ai dit pour Israël que le gouvernement va avoir un problème. J'ai dit pour l'Iran. Bon, l'Iran, c'est la tension dans les eaux territoriales avec les attaques là. J'ai parlé pour la Corée du Nord et le Sud, de la réconciliation et du changement de gouvernement de celui-là qui est le gros pantalon. J'ai parlé du Kenya qui a une étoile là-bas parce que le grand foyer de réveil, c'est au Kenya. Et ça va balayer là-bas. Pour le Cameroun, maintenant, vous voyez, suivez mon langage maintenant parce que je dois parler avec mon langage. D'accord, frère?
Juste 10 ici, je commençais à 10 ici parce que je suis en train de parler de la direction de prière. La Bible déclare dans 1 Timothée 2, vous vous souvenez que quand on veut prier, quand, avant toute autre chose, qu'on élève des prières pour des gens qui sont élevés en dignité, ainsi de suite, et encore pour les rois, ainsi de suite. Je suis en train de dire ceci pour que désormais, quand vous réunissez, vous compreniez que voici la direction de prière. Quand vous allez finir de prier ainsi maintenant, entrez dans ce que vous, le Seigneur va vous diriger de faire chaque fois. Il dit bien, chaque fois, parce que les temps sont. Quand la Bible déclare, c'est un peu comme pour le réveil. Dieu œuvre avec nous. Je veux que vous saisissiez ceci en tant que chrétien. Quand on dit qu'il y a le réveil, vous congénez en prière. Quelqu'un dit que non. Ah, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit. C'est pas comme ça. La volonté de Dieu s'accomplit avec notre concours. Pour que le Seigneur vienne sur la terre, il a fallu une femme sur la terre. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une femme féminine qui va le porter. Donc, il a besoin du secours de l'être humain qui est charnel. Vous m'avez suivi ça, n'est-ce pas? Pour qu'il fasse sortir son peuple de l'Égypte, il a envoyé un être humain pour aller le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu travaille chez les êtres humains avec les êtres humains. Et ces êtres humains, quand il les envoie maintenant, ils travaillent avec, appuyés par le ciel. Vous m'avez suivi? Voilà. Donc, Dieu sauve un être humain, il l'utilise pour sauver des êtres humains. Déploie sa puissance en cette personne, c'est pour sauver les êtres humains. Ce que je veux qu'on comprenne, que vous compreniez, en tant que chrétien, c'est qu'on ne croise pas le bras comme le frère-ci pour attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. On agit selon sa volonté. D'accord? Ou mieux encore, vous pouvez pousser Dieu à agir dans sa volonté. Que Seigneur, lève-toi et combat Israël. Combat pour Israël. Vous avez suffisamment agi. Et le char de Dieu s'est levé. D'accord? Donc pour le réveil, par exemple, on dit qu'il y a le réveil, quelqu'un dit que, ok. Vous gênez. Le Seigneur connaît les cœurs, souvenez-vous de cela. Que vous gênez, quand ça va venir, moi, je vais entrer dedans. Ce n'est pas une eau qui va se verser comme ça physiquement. Vous pouvez rester là-bas. Ça fait fou, fou. Ça prend quatre personnes. Parce qu'il connaît les cœurs. Il connaît les cœurs. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça fait fou, fou. Elle va dire, Seigneur, tu vois maintenant, tu commences à dire, Seigneur, moi, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Les instructions qu'il a données pour arriver là-bas, tu ne vas pas t'embêter. Et ça sera terminé. Après, vous voyez cette même personne qui était chrétien, subitement commence à être le contradicteur et le persécuteur des chrétiens. Donc, préparez-vous de la bonne façon. Écoutez les instructions. Tenez-y. Vous dites, ah, quand il reste comme ça, là, il faut que le Seigneur accomplisse. Je suis dit ça parce que il dit, voici Donald Trump sera président des États-Unis encore. Mais voici des forces qui vont s'élever contre lui. Donc, il vient de dire, vous qui êtes mon bras armé, protégez-le. Je crois que quand il venait ici, c'est ça dont tu parlais ici. Il faut que chacun prie. Chacun prie son Dieu. L'Église est la branche armée de Dieu sur la terre. Quand Dieu veut agir sur la terre, il ne compte pas sur l'armée qui ont les armes. Parce que ce n'est pas sur le cheval qui compte les trucs, sur les forces. Son armée, quand il s'est sur mon peuple, ce qui est invoqué, simule, prie, cherche ma face, Dieu de Dieu, j'ai guéri le pays. Donc le pays est guéri à cause de son peuple qui est en train d'invoquer son nom. Il n'a pas dit que. Il allera à la présidence, il va voir les économistes avec les grands. Combien d'agrégés il y en a? Dites-moi, dans le monde. Combien de spécialistes, de stratégies israéliens il y en a? Combien de stratégies du Moyen-Orient, de spécialistes du Moyen-Orient, parce qu'on enseigne le conflit du Moyen-Orient, des spécialistes des relations internationales. Entre eux, les relations internationales qu'ils enseignent, ça va entre eux. Donc pour implémenter ça, il faut l'esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Mais où est l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu se trouve dans l'Église. Donc c'est l'Église qui peut ordonner sur la terre que quelque chose se passe normalement. Amen. Donc si l'Église refuse que quelque chose ne se passe pas sur la terre, n'est-ce pas? Il a dit tout ce que vous demanderez sur la terre, pardon, ça, je le ferai. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez, frère, écoutez ça. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez quelque chose, ça sera fait. Seigneur, je veux que celui qui est là, en haut là-bas, quitte maintenant. Nous sommes accordés, il quitte. Donc Dieu a donné autorité à l'Église de renverser les rois sur la terre, Amen. D'arracher, de planter qui il veut. Mais l'Église dit, s'ils ne font pas, il n'y a pas de problème. Quand il dit, le port du masque en public est obligatoire, tu ne portes pas. Hein? Moi, je ne porte pas, je subis seulement, parce que je suis prêt. Quand il veut passer le policier, quand il me guette, la façon qu'il le guette, il comprend que c'est un têtu. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, donc, ça veut dire que l'Église peut réguler des choses sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Ce que je voulais dire, encore une fois de plus, c'est que nous devons prier dans la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu dit, voici celui qui sera président, ça ne veut pas dire qu'on va rester comme ça, il va être président.
Parce qu'il va falloir que les gens vont voter. C'est-à-dire que le nombre de votes, Dieu va orienter la main des gens. Quand vous allez suivre le vote de Donald Trump, écoutez bien, c'est votre ce qui allait venir devant. Ça sera tellement serré, plus que quand avec la femme là. Ça sera tellement serré au point où on va crier non seulement la fraude, et on va dire encore qu'on recompte. Là, dans les États-Unis, même l'histoire des élections, ça se passe aussi là-bas. Vous allez voir encore cette année-ci là. Pourquoi? La sorcellerie. Parce que Satan pousse, il travaille. Ils font des incantations, ils font physiquement et spirituellement. L'église dit que Dieu bénisse Donald Trump et sa famille. Frère, c'est pas comme ça. Il faut l'intercession, il faut prier, il faut jeûner pour lui. Vous suivez, n'est-ce pas? Cette fille, cette jeune fille que j'ai vue sur internet, qu'on a écrit là-bas comme mon enfant, je connais sa couleur, ni où la personne est, c'est le message que j'ai vu. Quand j'ai vu, c'est venu sur mon cœur, commencer à prier. Cette autre qui est sans abri aux États-Unis, est-ce que je la connais? J'ai prié pour elle. Et puis j'ai activé les mécanismes pour qu'on puisse la trouver pour lui donner de l'argent, envoyer des choses. Amen. Donc nous devions prier dans la volonté de Dieu. Quand vous avez décidé de prier pour Donald Trump, il se pourrait que vous voulez aller aux États-Unis, il dit que je ne veux pas voir les noirs ici. Ce n'est pas ton problème là-bas parce que ça n'a pas d'éloignement du Saint-Esprit là, divin de l'Église. Ça n'a pas de Saint-Esprit qui vient sur lui pour créer le désordre. Et son désordre qu'il va créer là-bas, c'est pour créer le désordre aux gens qui sont normaux sur la terre, qui ont fixé le nom. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas conventionnel. Quand il vient comme ça là, vous dites que non, tous les traités américains ont été signés avec lui. Il dit je sors de ce traité. Quand par exemple, vous dites comme ça, il a signé, il quitte lui comment partir. On dit Donald Trump, s'il n'est pas conventionnel, il ne connaît pas la politique, le Saint-Esprit va déjà parler. Vous comprenez ça, frère? Mm-hmm. On dit les homosexuels, il dit que vous êtes sortis d'eau. J'annule l'homosexualité. Ce Saint-Esprit qui a fait comme ça. Il n'est pas lui d'eau. Vous savez, une femme était à côté de lui en train de faire le discours. Il dit qu'il y a une chèvre. Elle était en expliqué qu'elle a une fièvre hier et autre là-bas. Elle a une toux. Il est à côté. Il a dit ah non, c'est que c'est le corona. Il est quitté. Là, il est quitté là. Il ne veut pas savoir s'il y a le journaliste là-bas. On va dire que par diplomatique, qu'il reste là-bas. Il dit que non, si tu as, il dit là devant la caméra que si tu as le corona, reste avec ça. Il parle. Donc ça part de Saint-Esprit, c'est pour déranger la terre. Le même Saint-Esprit qui vient sur l'église, c'est pour mettre l'ordre. Parce que la Bible déclare. Dans Timothée 3, verset 15, avant que je ne vienne, afin que tu saches comment se comporter dans de l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc il y a un comportement dans l'église. On a dit dans l'église. Dans la politique, c'est une autre chose. Donc le Saint-Esprit vient sur toi. Il te dit que l'Esprit de Dieu est doux, calme, conciliant. Tu regardes ça, c'est Donald Trump. C'est que tu vas douter du Saint-Esprit que tu as. Alléluia. Amen. Donc c'est notre frère. Il n'est pas là pour lire la Bible. Il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc nous devons prier pour lui. Même si tu pars, on te refuse le visa. Même si on maltraite tes frères les noirs là-bas, ils maltraitent selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Alors donc nous devons prier pour lui. Maintenant pour le Cameroun, écoutez très attentivement. Il y a une réunion. Donc je vais dire ça. Quand il vous prépare avant de parler, il y a une réunion qui doit se préparer. Enfin, qui va venir. Je parle ici en prélude au changement que je l'ai dit plusieurs fois. Parce qu'on est arrivé là maintenant. Il y a une réunion qui va se positionner, qui va se faire pour la résolution des conflits qui se trouvent dans le Cameroun. Non seulement ça, avec les implémentations, mais beaucoup d'autres choses. Dans un enseignement, ou bien dans une prophétie sur le futur du Cameroun, j'ai parlé de l'acte de naissance et de là où on fabrique cela. Vous vous souvenez de ça? Vous avez suivi? Il me regarde comme ça. J'ai parlé d'une prophétie sur le futur du Cameroun. Où j'ai parlé de où on ne peut pas cacher la grossesse. Et puis il dit, voici ce qu'il faut faire, suivez ton acte de naissance. Donc le travail doit être fait dans ce domaine. Ouais, cela, n'est-ce pas? Donc vous pouvez remarquer et voir cela en scène. Mais ce que ça nous dit, qu'il y a une réunion, j'ai dit que chaque fois que vous voulez prier, priez pour le Cameroun, parce qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Et je vous ai dit que Dieu a donné le pouvoir à l'Église. On peut abréger ces choses qui viennent d'arriver. On peut abréger. Alors il y a une réunion, écoutez bien. Il y a une réunion pour la résolution des crises dans le Nord-Ouest. Une fois, on avait dit que Seigneur, donne l'homme providentiel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Que les relève. Donc, il y a particulièrement le pays ici, la Suisse et la France qui vont se mêler avec l'Église catholique. Donc, laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire, d'accord? Parce qu'ils vont finir, ils vont soumettre à Marie, nous allons reprendre. Parce que quand cette vie vient, Marie ne peut rien faire. Donc, ces trois-ci, l'Église catholique, l'Union africaine, et la France et la Suisse, ils vont se réunir. Ils vont trouver un jour, ça va venir. La grande réunion va arriver. Ça arrive devant nous. Vous me suivez? Après cette grande réunion-ci, écoutez bien. Il parle pour le Cameroun. C'est pour ça que je dis qu'on prie. Pour que cette décision soit prise au plus vite. Après cette grande réunion, le changement.
Et dans une prophétie que j'avais dit ici pendant les élections, j'avais dit, c'était une personne qui m'a dit que non, monsieur le président, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Il dit que merci, monsieur le président, d'avoir pris cette décision. Vous vous souvenez de cela? D'avoir pris cette décision et d'avoir écouté cette voix. Donc, la nouvelle arrive donc, après cela. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, allez oublier les gens qui disent non, ça c'est le montage, c'est le montage. Même si c'est le montage, la prophétie ne dit pas qu'il va décider au pouvoir. Il a une mission à faire. D'accord? Vous m'avez suivi maintenant, frère? J'ai parlé en parabole. Là, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, prions pour que la réunion pour la restauration et la paix au Cameroun soit prompte et que ça arrive vite et que ça se passe comme Dieu veut. Voilà le sujet pour le Cameroun. D'accord? Quand cette réunion va se passer, en tout cas, quand on va convoquer ça, vous allez savoir qu'il y a une réunion que la Suisse, l'international et autres sont en train de faire. L'ONU même va s'impliquer dans cette réunion aussi, mais c'est coordonner les chefs, l'arbitre. L'arbitre, c'est la Suisse et l'Église catholique. Ce sont eux qui sont derrière. Donc Dieu est en train d'appeler le Cameroun à la réunion sur une table. Et j'avais dit, vous avez fini de tuer les enfants de tuer, verser le sang. Tôt ou tard, vous allez encore venir vous asseoir sur une table pour bien parler. Donc la réunion est en train d'arriver. Oui, ils sont de parler de la réunion parce que c'est après la réunion qu'il y a le changement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a de prier comme ça pour que quand la réunion se passe, que la décision qu'il doit prendre, que le Saint-Esprit lui donne de prendre cette décision. Au prince, et pas du prince là maintenant, qui prend cette décision, qui laisse les gens. D'accord? Là, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Puisse le Seigneur vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau dévoré, à l'agneau dévoré. Les ténèbres ont reculé devant le. Sa sainteté, l'univers crie sa main.